Depuis le 16 juillet et jusqu'au vendredi 27 juillet, nous avons pensé faire vivre l'ensemble des établissements du pôle Est de la LEFPA autour d'une action transversale qui toucherait tous les professionnels et toutes les personnes accueillies dans nos établissements. Donc pour certains, je reprécise, des adultes en situation de handicap sur les 5 établissements du pôle adulte et des enfants et des adolescents en situation de handicap sur les 2 établissements qui accueillent les enfants. Voilà, donc on a souhaité faire vivre à l'ensemble de ces personnes, les professionnels et les personnes accueillies, un moment de partage, un moment d'expression, un moment de création, de créativité, un moment où les liens se renforcent, se requestionnent, et un moment où le travail social et l'accompagnement se requestionnent autrement. Et on a pensé, quand je dis on, c'est toute l'équipe de direction, toute l'équipe de cadre de l'ensemble de ces établissements, on s'est dit que provoquer des rencontres entre notre univers et l'artistique, et des activités artistiques, ça nous permettrait d'avoir des supports de créativité, des supports d'expression qui facilitent l'ensemble de ces liens et ce partage. Bienvenue à tous ceux qui vont participer à ce voyage que nous avons appelé le voyage d'artiste et qui va se dérouler pendant les 2 semaines. Que cette manifestation est une occasion justement qui est donnée à tous ces jeunes qui sont avec nous ce matin, l'occasion de voir autre chose que leur environnement quotidien. Au nom de la LEFPA et de son conseil d'administration et à mon nom personnel, nous vous souhaitons donc un bon voyage. Je m'appelle Fabrice. C'était l'atelier quoi là que tu as fait là à l'instant? Chant et PAQ. Comment s'appelle le monsieur? Monsieur François. Monsieur François, est-ce que tu as aimé sa manière de faire? Ben cet atelier, je trouve que c'est très rafraîchissant et ça demande de la concentration à peser, à calmer les choses. Et après, vous faites seulement avec le pied, quand le pied a commencé, vous faites seulement quand le pied joue. Encore? Tous dans le rythme. 'Vraiment des bons musiciens et c'est sûrement intéressant, on apprend tous chacun à son niveau. Par rapport au public, il faut tout le temps que je m'adapte. J'impose rien en fait, c'est eux par rapport à leurs compétences. Et puis moi je les amène à ce qu'on fasse la musique ensemble, c'est ça le principal. Il y a vraiment l'écoute. Si je dis là, la musique s'arrête, ça s'arrête. Quand ça reprend, ça reprend. Il y a vraiment une belle énergie aussi et c'est vraiment intéressant. Mon amour, mon amour.
Allez, Sylvain, poursuivre l'histoire. Ah, Sylvain, là-bas. Les trois petits, ouais. Alors, pour s'échapper, on a vu que les oiseaux déploient leurs ailes. Très haut. Très haut. Nous sommes venus proposer des activités, des ateliers d'expression via le clown. Mais qu'est-ce que tu fais? Combien d'années qu'est-ce que tu fais là? En fait, l'énergie. Mais tu fais quoi là? Je fais de la quoi? Et quoi tu fais? Je fais quoi? Rien. Ce que l'on cherche, c'est qu'il puisse lâcher prise, s'abandonner à autrement, caché derrière le petit nez de clown qui est le plus petit masque du monde. Et ce que l'on cherche, c'est qu'il puisse lâcher, surtout. Surtout que les professionnels puissent à un moment donné les voir, les percevoir autrement. Quand on est éducateur au quotidien, on l'a entendu tout à l'heure, c'est peut être très fatigant, épuisant. Et les clowns rouges sont une bouffée d'air, sont une ouverture, un air vivifiant qui vient traverser, qui vient apporter une certaine fraîcheur pour que les gens se retrouvent dans un autre espace. Après, chacun retrouve ce qu'il est. Mais il restera toujours ce qu'ils ont été pendant les ateliers clowns. Oh. Oh. Détendez-vous, détendez-vous. Oh, il est parti. Loïc, c'est quelqu'un que, bon, c'est vrai que dans le groupe en général, il est toujours de façon discrète, comme on dit, cool Raoul. Mais c'est vrai que dans les activités d'expression, Loïc se lâche. Ok, et pour toi? Et pour moi? Ouais, en tant qu'éduc, qu'est-ce que ça te fait de jouer là dans ces ateliers d'expression, musique, théâtre, tout? Ah, mais ça t'apporte? La relation. C'est-à-dire que dans le quotidien, j'ai pas. Si, on a de la relation, mais pas la même relation au quotidien. Mais on est éducateur, hein, Loïc. Et là, on est se met un petit peu au même niveau aussi. Pour nous de les voir comme ça, c'est vraiment que du positif. Ces 4 jours percussion que j'étais un peu étonnée de le faire parce que je fais pas de percussion du tout. Et super, eux ils aiment bien en tout cas, ils découvrent d'autres manières de faire, etc. avec la percussion. Et en tout cas, pareil, ils en redemandent. Et là, ils ont demandé justement d'avoir la chanson de Mali Nieloso. Je l'ai bien prononcée en 4 jours. Des chiens. Ouais. Avec qui? Comment il s'appelle le monsieur là? Il faut le maillot de bain. On l'a pas dessiné là, le maillot de bain. On a tout pour aller à la plage, mais on n'a pas le maillot de bain.
On va faire le maillot de bain. Quelle couleur? Bleu, oh. Rouge ou vert? Vert. Regarde, on fait le maillot de bain là. Vert. Hop. Tu nous entends, Christopher? Ok, alors si tu nous entends, eh ben on va lui rajouter les oreilles. Les oreilles, ouais. Christopher, j'ai trouvé. Une grue et une grue construit des bâtiments et construit des nouvelles maisons. Ensuite c'est tout. D'accord. Est-ce que tu as aimé l'atelier dessin? Oui, c'était bien. C'était bien. Qu'est-ce que tu aimes dans le dessin? J'aime bien dessiner. J'aime bien dessiner la grue. Et j'aime bien dessiner des maisons et des arbres avec des soleils, des nuages. Qu'est-ce que tu fais? Je dessine le truc en face de moi, le plan, le toit, avec les feuilles, les branches. Tu peux me montrer ton dessin? Là, ça va? Eh oui. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dessiné une plante. Non, une branche, un arbre. Un arbre? Oui. Tu peux me montrer ton arbre? Tu as déjà dessiné des arbres? Non, première fois, c'est la première fois. Madame, pas abîmé. Qu'est-ce que c'est beau? Dans la fleur. Sur l'atelier Recyclart de la Cirès et sur cet atelier on fait de la peinture à partir de différents éléments recyclés comme le carton. Tout ça c'est pour faire un assemblage à la fin le jour du 26 juillet lors de la représentation. Et donc on fabrique des vêtements et des maisons. C'est représenter les différentes cultures de la Réunion à partir du matériel recyclé. Je suis art-thérapeute et dans le cadre de ce projet Voyage d'artiste, j'interviens en tant que danseuse. Et l'objectif c'est de danser et de laisser le corps s'exprimer.
et on part de ce qui est totalement, de tout ce qui est valide, de tout ce qui fonctionne. Et on est agréablement surpris du résultat parce que du coup on parle vraiment des choses sensibles, de l'émotion, de leur ressenti par rapport à une musique, une odeur, une sensation. Et avec ça, le corps il prend toute la place, il prend la place nécessaire pour exprimer le maximum de choses. Ce qui est proposé là au sein de l'IME, c'est de proposer aux jeunes qu'on accueille d'autres supports en fait pour s'exprimer, pour qu'ils expriment voilà ce qu'ils sont réellement, leur créativité, et qu'ils puissent nous montrer autrement toutes leurs ressources. Pour moi l'impact il est juste énorme parce que on a vu des jeunes qui sont d'habitude très introvertis, qui sont d'habitude difficilement dans le contact, dans l'interaction, là s'ouvrir complètement, prendre le micro, se saisir des possibilités en fait que les intervenants leur offraient pour chanter. Pour se révéler en clown. C'est qui ce bébé? Pas moi. Non. C'est votre bébé? Oui. Petit à petit, nous montrer des choses qu'on ne soupçonnait pas, en tout cas que moi je ne soupçonnais pas chez eux, en quelles on avait espoir et foi, mais voilà, qui là vraiment émerge concrètement, visuellement, enfin, dans la gestuelle, dans tout, quoi. Et ça, c'est juste énorme parce que ça, c'est des choses dont on va pouvoir se saisir après, pour le reste de l'année, sur les ateliers éducatifs et sur le travail aussi d'accompagnement social, pour aller encore plus loin, pour travailler en sachant qu'ils ont cette capacité. Et qu'ils en ont même peut-être d'autres encore qu'on ne soupçonne pas, et ça c'est juste génial quoi. C'est vraiment, moi je suis émerveillée par ce que je vois tous les jours quoi. Des cayons, des instruments de musique typiques de la Réunion pour le Maloyawa. Mm-hmm. Donc on fait des instruments comme les jeunes savent ce que c'est, mais ils ne savent pas comment on fabrique. Donc mais là on a fait un vraiment ludique. Parce qu'après on va habiller, et voilà comme là. La DAV, il y en a un qui est fait là. C'est quoi un peu? Voilà. Allez. Eux-mêmes avec des consignes que je donne, mais c'est moi je veux faire pour le caillon, moi comme là-bas. J'ai pas envie que c'est moi qui fais, mais eux avec des conseils. Ouais. Alors effectivement, on s'est dit que à partir du moment où pendant 2 semaines on produisait des choses, ça pouvait être intéressant de prévoir une restitution, montrer ce que tout le monde a produit. Et ben, pour les parents, pour les familles, pour les jeunes eux-mêmes, pour les professionnels. Alors, c'est pas un spectacle à tout prix qu'il faut donner à la fin d'un stage ou d'une résidence. On n'est pas dans cette logique-là. On est réellement dans une logique d'une restitution qui peut montrer à voir ce qui s'est passé. Alors du coup, mais peut-être parce que je ne suis pas de façon opérationnelle en organisation, je n'ai aucune pression. C'est-à-dire que j'ai confiance
Il va se passer de toute façon des choses tout à fait belles, j'en suis certaine, même si peut-être qu'il y aura des calages ou des décalages, peu importe. En tout cas, aucune pression, parce que je suis sûre que de toute façon, dès lors qu'on restitue quelque chose voilà, qui s'est bien passé, eh ben, ça sera forcément positif. Comment tu te sens ? Ah, mais je me sens très très bien, tout à fait détendue, tout se passe bien. Puis les derniers préparatifs. On n'est pas du tout en retard, le podium n'est pas encore ouvert, donc tout va bien. La concrétisation de 15 jours de folie, là. Oui, 15 jours, oui, 15 jours où on a dansé, où on a chanté, où on a couru partout, où on s'est rencontrés, où on a créé, où on a tout chamboulé. C'est bon. Alors, Fred, comment ça va ? Ah. Dernier préparatif ? Oui, dernier préparatif dans le speed un petit peu. Ouais, qu'est-ce qui se passe là ? Eh ben, on finit de préparer pour que ça se passe une belle fête. Une belle fête ? Ouais, belle restitution de tout ce qui s'est fait ces 15 derniers jours où voilà, tout le monde a pris et s'est éclaté. Comment ça va ? Ben, ça va. On est d'attaque pour notre belle journée. Ouais. Et en plus, ben, le temps se présente plutôt bien, donc on est très contents. D'accord, dernier préparatif, concrétisation de 15 jours de fête. Ah bah c'est, oui, la concrétisation, effectivement c'est un plaisir parce que bah, on va recevoir les familles, on va recevoir bah, l'ensemble des jeunes qui ont participé à cette action et on est ravis bah, de clôturer ces 15 jours par bah, cette belle journée qui nous attend. D'accord, bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je suis Gilbert Waro, administrateur délégué de la LEFPA nationale et je crois que cet événement a pu se réaliser grâce, bien sûr, au concours de toute l'équipe des professionnels de la LEFPA, que je vous demande d'applaudir. Mais aussi à tous les usagers et à tous les parents de la LEFPA, que nous applaudirons aussi. Mais aussi à tous les artistes qui sont présents aujourd'hui et qui ont, durant toute cette semaine, encadré les ateliers, que nous applaudirons aussi. Mon amour, la manière,
Mon amour, 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 mon